Salut tout le monde, c'est Dofmine, oh yeah! Et aujourd'hui, on se retrouve pour l'épisode 2 sur Redwood. Et comme prévu, on va s'attaquer à la partie Redstone du donjon. Donc cette fois-ci, j'ai un petit peu plus préparé. Donc je vais vous montrer rapidement, hein, il n'y a rien de bien méchant. Donc j'ai mis un dispenser ici, je vous expliquerai après pourquoi. Donc deux pistons, donc un piston avec un bloc de verre qui va permettre de bloquer les autres zombies. Comme ça, quand on va les venir écraser ceux-là avec, enfin les zombies qui seront là avec ce piston-là, les autres vont pas se mélanger ou et ceux-là vont bien rester ici, ce qui va permettre d'être sûr de pouvoir les finir à une main. Donc alors, pourquoi le dispenser? Le dispenser, comme vous voyez, il y a un seau de lave à l'intérieur, ce qui va permettre si par exemple je reste à FK trop longtemps, qu'il y a trop de zombies et que je bug, j'aurai qu'à appuyer sur ce petit bouton-là. Ça balancera un seau de lave, ça le récupérera, et juste assez de temps pour pouvoir tuer tous les zombies qu'il y a. Donc ça permettrait d'éliminer les lags très rapidement et sans devoir tous les tuer. Oups, sans devoir tous les tuer un par un. Oula, j'ai des bugs. Donc j'ai un petit peu préparé, donc j'ai posé un levier ici, un bouton ici, et un autre bouton ici. Donc on va faire ça, cette partie-là rapidement, parce que c'est ouais, y a pas très compliqué. Donc, en ce qui concerne le dispenser, il y a pas de secret particulier. Vous mettez un fil de redstone ici. Hop, je vais monter ici. Un repeater ici à fond. Donc j'avais fait des tests en solo avant de venir les faire ici. Parce que je voulais pas prendre le risque de venir foutre le feu, répandre la lave partout. Et donc normalement, vous mettez votre seau de lave. Et donc si j'appuie sur ce bouton, la lave va se répandre. Et va être aspiré par le dispenser. On teste ça tout de suite. Voilà, donc comme vous pouvez le voir, ça marche. Donc ensuite, on va relier ce levier là au piston avec le verre qui va bloquer l'eau et les autres zombies quand il sera déployé. Donc là, l'eau en ce moment elle est derrière ce bloc-ci, mais j'ai bloqué pour pas être dérangé. Donc pareil, en ce qui concerne ce petit piston là, ça va être très rapide, très simple. Hop. Alors il suffit de tout simplement mettre un repeater ici. Ah, donc le levier est déjà activé en plus. Donc pourquoi un repeater? Parce que si on met un fil de redstone, pardon, ça activera ce piston là, puis ça fera un petit peu tout bugué. D'ailleurs, j'ai même bien envie de pas mettre ce bloc là. Ouais, il est pas utile. Voilà. Et donc, comme vous pouvez le voir, si je fais voilà, à ce niveau-là, c'est parfait. Donc maintenant, ça c'était le plus simple. Enfin, la suite n'est pas beaucoup plus compliquée, mais je vais vous montrer. Donc mon bouton est derrière. Donc je veux maintenant que quand j'appuie sur le bouton, ce piston là, hop, je vais placer un bloc dessus. Est-ce que j'ai un bloc de Mossy Stone? Non, c'est pas grave, je vais placer la cobble classique. Je veux que ce bloc là vienne écraser les zombies qui seront bloqués ici, parce qu'il y aura un bloc là aussi, pour pas qu'ils puissent s'échapper. Donc ils seront bloqués par ce bloc là, et par le bloc de verre ici. Et donc le piston derrière viendra les écraser à une certaine durée, pour que j'ai pu qu'elle finir à coup de poing. Donc en moyenne il faut mettre 24 repeaters, donc on va faire quelques essais, hein. Donc alors, il nous faut du matériel, est-ce que j'ai ça? Ouais, je vais prendre ça, ça pourrait m'être utile. Hop. Donc je vais faire ça. Je vais faire ça. Est-ce que je peux faire ça? Comme ça. Donc il va falloir faire une fonction mémoire, ou RS Norlatch comme vous préférez. Donc en fait, c'est tout simple, c'est deux inverseurs, on peut dire ça comme ça, c'est deux inverseurs reliés l'un à l'autre. Donc ça fait quelque chose dans ce genre-là. Hop. Et quelque chose dans ce genre-là. Donc si je viens appuyer, normalement, ça va éteindre. Et voilà. Donc je sais pas si vous avez vu, mais au tout début, le courant sortait d'ici, sortait de cette torche-là. Et quand j'appuie sur le bouton, maintenant il reste sur cette sortie là jusqu'à ce que je vienne ralimenter. Hop, on va faire comme ça jusqu'à ce que je vienne ralimenter ici. Non, c'est mieux avec une torche de redstone. Donc voilà, là je suis venu ralimenter, et quand je recasse,
Voilà, donc en fait ça garde en mémoire l'action du courant. Si on peut dire ça ou comme ça. Ouais. Donc vous voyez, c'est tout simple, c'est deux inverseurs. Donc là, le système est compacté, hein, mais rien n'empêche de faire par exemple ça, mettre plein plein de redstone, mettre un autre bloc ici, hop, et remettre plein plein de redstone. Normalement, ça marchera pareil. On va faire le petit test tout de suite. Ah, par contre, j'ai plus de torche. Hop, j'ai piqué toi ici. Donc normalement, voilà, ça change la position. Ça la garde échangée. Et ici, pareil, si je fais ça, ça va réalimenter celui-là tout le temps normalement. Parfait, donc ouais, c'est bien deux inverseurs reliés l'un à l'autre. Non, il n'y a pas. Je pense pas qu'il y a plus simple comme fonction logique, pardon. Donc je pense que ouais, c'est pour moi c'est une des plus simples. Donc voilà, on va remettre la torche de redstone ici. Par contre, pour on va reset le courant. Non, c'est comme ça. Ouais, non, c'est bon. Ensuite, par contre, je sais pas si je m'y suis bien pris. Chuchu. J'aurais peut-être dû la faire de l'autre côté. Ouais, je vais la faire de l'autre côté, donc. Hop, ça va rien changer, hein, c'est exactement pareil. Je préfère juste la faire comme ça pour gérer mieux mon espace. Hop. Hop, ici, ici, donc ici, 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 voilà. Comme ça, je récupère ma sortie ici. Je vais poser mes 24 repeaters que je mets à fond. Normalement, j'ai. Ouais, non, je crois que c'est tous à fond qui doivent être. Hop, on va faire le test. Normalement, c'est ça. Hop, on va même être plus malin. Parce qu'on est économe. On va remplacer par un bloc. Ça fonctionne parce que la. Pour ceux qui savent pas, le repeater va envoyer le courant dans le bloc. Et ce repeater-là va le récupérer en sortie. Donc ça permet d'économiser un redstone, quoi. C'est. Un redstone par un redstone. Ça commence à représenter un petit peu. Bon, donc. Il suffit donc de placer. Les 24 repeaters et je vais pas le faire, je vais plutôt faire ça comme ça. Donc pareil, ça marche aussi en plaçant un bloc et de la redstone derrière. Alors, c'est là qu'il faut faire attention, parce qu'il faut pas boucler les circuits. J'avais déjà fait cette erreur là dans mon let's play, qui d'ailleurs les vidéos ont été supprimées. Parce que c'était vraiment très très mal fait, je pouvais pas laisser ça. Sur YouTube, donc je les ai supprimés. Hop, est-ce que tu vas bien vouloir? Voilà. Par contre, non, je fais une bêtise là. Je fais une grosse bêtise. Non, c'est bon. Faut que je vienne finir d'alimenter ici. Non. Oui, ici, je dis bien. Donc, alors. Il me reste un certain nombre à placer. Donc, je vais les placer. On se retrouve après. A tout de suite. Donc on se retrouve, j'ai placé les 24 repeaters. Donc maintenant, j'ai un peu tout refait en fait, j'ai agrandi un petit peu la salle. Et donc je les ai redisposés comme il faut. Donc nous avons nos 24 repeaters à la suite, tous au quatrième cran. Donc les blocs servent à économiser la redstone, hein, comme je l'ai dit précédemment. Oups. Quand les repeaters qui font un petit peu bugger quand on passe dessus des fois. Donc maintenant il va falloir faire un test. Et pour faire un test, est-ce que. Ouais, normalement je peux le faire. On va tout simplement faire ça. Casser ce bloc là. Donc les zombies vont arriver. Ils vont être bloqués ici. Donc voilà, on les bloque avec le bloc de verre. Donc là il n'y en a qu'un seul. Et donc ensuite on appuie sur le bouton. Ah oui, en fait ça risque pas de marcher. Je suis un peu bête. Parce que j'ai pas relié l'alimentation au piston. Effectivement, ça marchera beaucoup moins bien sans ça. Est-ce que je peux la tricher un petit peu? C'est-à-dire que est-ce que je peux faire. Non, je crois pas que je puisse le faire. Non, il va falloir que je le reprenne d'ici.
Comment je pourrais le réalimenter facilement? Bah tout simplement comme ça. J'ai pété cette torche là. Je vais la remettre ici, tiens, hop. On va poser un bloc au-dessus. Et donc normalement en pétant ce bloc là. Ah mais non, c'est la redstone. La redstone qui est là qui va poser problème. Parce que ça va le faire glitcher du coup. Enfin, ça va créer un. Pas glitcher, mais ça va créer un. Un pulseur ultra rapide qui va finir par faire bugger la torche. Comment je peux récupérer le courant sans problème? Bah, je suis bête, le courant je le récupère de là, puis c'est bon. Je suis bête, il suffit juste que je le récupère d'ici, voilà. Et ici, pour alimenter le bloc là qui est relié au piston. Ah, et voilà, la parfaite boulette. Alors où c'est? Voilà, c'est ici. J'ai bouclé le circuit, donc ça marche beaucoup moins bien. Donc voilà, maintenant il va falloir attendre que. Oh. Ah ouais, mais du coup ça se reset pas. Donc alors c'est ici. Ici. Voilà. Oui, d'accord, c'est ici l'erreur. Voilà. Et donc oui, du coup j'ai relié au mauvais endroit. Donc on va virer ça. C'est pas ici que je devais le relier. Donc, ouais non, c'est toi, faut que je te vire du coup. Mais c'est bien ici qu'il faut que je le relie. Donc, comment je peux faire? Bah écoutez, je vais réfléchir à ça en off pour faire une solution plutôt optimisée. Et je vous retrouve après. À tout de suite. Donc voilà, j'ai relié d'une façon toute moche et toute pas belle. Mais normalement ça devrait fonctionner. Donc voilà. Donc j'explique brièvement ce que j'ai fait. Si vous, vous refaites ce système, n'hésitez pas à prendre toute la place. Là j'ai pas pu prendre toute la place que je voulais à cause de ça. Voilà. Et puis donc ça va poser problème en fait. Parce que, du coup j'ai tout compacté alors que j'aurais pu plus m'étendre encore. Donc n'hésitez pas à vous étendre si vous refaites ce système là. Je vais vous expliquer rapidement. Par contre toi tu t'en vas s'il te plaît, sinon je vais pas pouvoir expliquer, donc tu t'en vas, merci, au revoir. Donc voilà, quand on va activer enfin quand on va appuyer sur le bouton, ça va allumer ce courant là, enfin cette redstone là, donc qui va alimenter oups jusqu'au piston là-bas. D'ailleurs faut que je compte, donc si ça fait pas plus de 15, qui va éteindre cette torche de redstone là. Mais ça va pas poser problème ça d'ailleurs. Non, c'est bon. Qui va éteindre cette torche de redstone là. Qui va du coup éteindre ce fil là. Du coup la torche va pouvoir s'allumer. Et donc allumer le circuit ici. Donc la fonction mémoire sera en route. Donc on va faire un petit test. Mais avant, on va manger de la tarte à la citrouille. Miam miam miam. Bon donc, est-ce qu'on peut tester cette fois-ci? On va débloquer les petits zombies. On va les enfermer. Bon, lui, il a glitché dans un bloc, c'est pas grave. Et donc, est-ce que ça marche là? Ça a l'air de marcher. On va voir comment ça se passe ici. Alors, donc, les délais sont trop longs. Non. Ah non, c'est bon. Je croyais qu'il était mort. On va refaire un test quand même, parce que j'ai un petit doute. Je crois que l'autre est mort. Ok, y en a un qui est... Il me semblait entendre un zombie mourir. On va refaire un essai. Ah, c'est clic droit maintenant sur les boutons. Donc voilà, il subit des dégâts, il subit des dégâts. Donc oui, il meurt. Donc, c'est-à-dire que... Bon, on va essayer en cassant... Tout simplement un repeater. Hop, on va remplacer. Donc ce serait 23 repeaters à fond alors. On va faire le test. Il me semblait que c'était 24. On ouvre. On attend qu'ils viennent bien ici. On referme.
Va falloir que je trouve une solution parce que ce bloc de verre ça m'embête un peu et glitch dedans. C'est pas très pratique. Bon, on appuie. Et on le regarde se faire torturer. C'est du sadisme, effectivement. Je vais me remplacer par un bloc de verre après. Ah, donc là il est pas mort. Donc j'ai tapé à la pioche, mais je pense que à la main ça doit le faire aussi. Oups, en tout cas on va dire que ça va le faire. Tu meurs s'il te plaît, merci. On va remplacer ici par un bloc de verre pour pouvoir le voir. Non, par contre. Ici je voudrais de la cobble s'il vous plaît, monsieur. Merci pour la cobble. Voilà. Hop, ma torche. Voilà. Ah, par contre, non, j'ai fait une bêtise. J'ai pas rouvert le donjon ici. Si, non, il est ouvert, c'est bon. Hop, ici, ça devrait le faire comme ça. Ah, il pleut, c'est pas bien ça. Il pleut toujours sur cette map, j'ai remarqué. Hop. Hop, on va prendre la dirt. On va enlever les torches qui sont un peu partout d'ailleurs. Hop. Les torches un peu partout. J'espère qu'ils vont pas m'embêter. Ce serait peut-être un peu trop leur demander d'ailleurs de pas m'embêter. Voilà, oh non ça va. Ils m'ont foutu la paix. Donc je referme ici. Au revoir. Normalement le donjon est plongé dans le noir. Oups, je suis assez près. Hop, on va ouvrir ici. Donc on va faire le dernier test qu'on n'a pas fait. Avec la lave. Donc la lave, je suis sûr que ça marche. Je l'ai testé plusieurs fois. Donc vous voyez, le dispenser a balancé la lave. Il l'a récupéré. Et les zombies vont finir par brûler au bout d'un moment. Donc attention. Donc là c'est vraiment pour les tuer, hein. C'est pas. Le but c'est pas de les finir à la main, c'est vraiment de les tuer. Parce que quand vous avez genre 300 entités devant vous, les taper à la main c'est long. Et puis si vous buguez, c'est même pas imaginable. Bon, allez, on refait un petit dernier essai avant de se quitter quand même pour être vraiment sûr que ça marche bien. Et je vais remplacer ce bloc de verre par un bloc de cobble, je pense, parce que ça a l'air de les faire un petit peu bugger dedans. Donc, monsieur était volontaire pour mourir. Très généreux de votre part. Ouais, donc ouais, c'est facile. C'est facile de les tuer à la main, par contre, ouais. À cause du courant d'eau. Oula, il y a du monde ici, eh oh. Pas la fête hein. Oups. Oh là 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 là. Très mauvaise idée ce que je viens de faire. Hop, les blocs. Voilà. Oups. Non, pas ici. Donc voilà en ce qui concerne cet épisode. Donc j'espère pour ceux qui savaient pas qu'ils auraient appris des choses. Si vous n'avez pas compris quelque chose, n'hésitez pas à demander, parce que la redstone c'est pas évident à expliquer. Plus facile à montrer qu'à expliquer en tout cas. Donc si vous n'avez pas compris, n'hésitez pas à me demander. Si vous avez remarqué que j'ai fait quelque chose qu'il ne fallait pas, bah, n'hésitez pas à me le dire aussi, hein, ça peut arriver. Et donc sur ce, je vais aller farmer un petit peu de zombies, histoire de monter niveau 32. Et renommer ma super épée, celle-ci, avec l'outil 3. Je vais la renommer. Je sais pas trop comment je vais la renommer encore. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner aux chaînes des autres personnes du serveur. Et je vous dis à plus pour un prochain épisode. Au revoir. Suis-je bête? J'allais oublier de vous montrer ce qui s'est passé à la surface. Donc de nouvelles choses ont apparu, notamment les melons que je n'avais pas. Donc je te remercie Steven de m'avoir autorisé à te voler une graine. Enfin, je te l'ai volé, puis je te t'ai demandé après. Donc, merci à Steven. Ce petit bâtiment, qui est le... l'accès au Nether, pardon. On va aller jeter un œil rapidement. Donc, à propos des commentaires que j'ai reçus, le plus souvent, on proposait de faire quelque chose en bois foncé.
Donc je m'y suis tenu et j'ai trouvé un petit design sympa. Donc voilà. Donc je sais que j'aurais pu mettre une demi-dalle, un bloc, une demi-dalle, un bloc. Mais je sais pas pourquoi, j'ai préféré faire escalier, escalier. Je trouve ça sympa. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Et je remercie ceux qui ont participé dans les commentaires, pardon. Donc il me restera plus qu'à recopier le design et jusqu'au bout du hub, pardon. Et donc voilà en ce qui concerne le Nether. Et quelque chose dont je suis assez fier. Donc l'idée de base était de ce que je vais vous montrer et de moi. Mais Fuse m'a donné un petit coup de main à réfléchir un petit peu. Donc merci à toi. Donc Fuse, pour ceux qui ne savent pas, qui est une personne qui a rejoint le serveur tout comme moi. Donc n'hésitez pas à aller voir sa chaîne aussi. Donc qu'est-ce que je veux vous montrer? Bah, c'est tout simplement ce sur quoi je suis, qui est un pont. Parce qu'il faut savoir que je... Et je l'ai fail, merci. Hop, voilà. Donc voilà, un beau petit pont. Franchement, j'aime bien, je trouve ça vraiment sympa. Donc ce qu'il faut savoir que ici, où il y a le brouillard... Hop, est-ce que... Hop. Merci. On va attendre que ça charge un petit peu. C'est lent, c'est lent. Donc ici, où il y a le brouillard, etc. Enfin, où il y avait le brouillard, où on a l'accès au Nether et à la mine sur le côté. Il y aura que ça ici. Hein. Je ferai des petites forêts derrière à la limite. Et le reste, si tu veux bien te générer, s'il te plaît. On fait pas attendre les viewers. On va te faire engueuler. Allez. Hop, on va se dépêcher. On va accélérer un peu le temps. Donc ici, il y aura toutes mes constructions, ma maison, la salle d'enchantement, la salle des potions. Enfin, j'ai plein de petits projets. Donc voilà, vous pouvez voir, j'ai commencé à couper l'herbe à la main et à mettre un petit peu de niveau. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez du pont dans les commentaires. Si vous avez quelque chose à dire, dites-le aussi. Et donc je voulais aussi remercier tous les gens qui s'abonnent à mes vidéos. Chaque jour ça augmente, que ce soit les abonnés et les vues, ça augmente très très rapidement. Donc je tenais tous à vous remercier. Donc merci. Sur ce, c'est la fin de cet épisode. Merci d'avoir regardé cet épisode. Et à plus tout le monde.